Hello, hello la team Garçon et Banban, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez la forme. Ça fait un petit moment quand même qu'on ne s'est pas fait un petit peu de Garçon et Banban. Et bah sachez que là, on va replonger un petit peu dans l'univers de Garçon et Banban. Mais encore mieux, on va même carrément à un moment donné dans la vidéo, on va mixer l'univers extrêmement chelou de Skibidi Bob Toilette avec du coup Garçon et Banban, ce qui risque de créer un résultat, je pense. J'ai bien, je pense. Plutôt cool. Donc vous l'avez compris, on est reparti pour découvrir encore plein de vidéos Garçon et Banban qui vont être, j'en suis sûr, de qualité. Donc on y va, on balance l'intro et on va aller découvrir ces petites pépites. Et on recommence directement avec notre cher ami Selpetime qui aujourd'hui va nous permettre de rencontrer la fameuse crush de Zolfus qui s'appelle Zolfina, je crois que c'est comme ça, Zolfina, voilà c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais là on commence directement, je comprends pas trop, on commence directement en étant sur le dos de Jumbo Josh tout en se faisant poursuivre par le monstre qu'on avait également vu, une sorte de monstre tentacule là qui se trouve derrière. Et lui je crois qu'il s'appelait, je sais plus si c'était Gaster. Non, je crois pas que c'était Gaster, c'était encore un autre, mais un monstre plutôt stylé que j'apprécie énormément. Non mais il est revenu en arrière là, il est revenu en arrière parce qu'il a trouvé un souterrain. Donc Jumbo a l'air d'être un véhicule plutôt ma foi efficace, hein. Il est assez rapide, il est assez balèze. Donc je pense que là, Selpetime est en bonne compagnie, il a quand même le monstre le plus badass de Garçon et Banban. Donc voilà, il est arrivé à bonne destination, hop, à bon port comme on dit, mais il se fait quand même choper par le monstre. Donc on espère que bah là, Selpetime va quand même réussir à s'en sortir, mais... C'est bizarre parce que là, il arrive du coup sur une passerelle. On n'est plus du tout sur une course-poursuite. Comme si ça faisait partie du jeu. Comme si c'était fait exprès qu'il se fasse attraper par le monstre. C'est très étrange. Et donc, il arrive dans un autre niveau de la Garten of Banban. Quel niveau? Je sais pas. Et à mon avis, c'est ici. Parce qu'on reconnaît l'endroit. On sait que Zolfus, dans le chapitre 2, se trouvait dans un endroit similaire avec des gros buildings tout autour. Donc, cela m'étonnerait pas que Zolfina se trouve justement ici. En compagnie de Zolfus, mais peut-être que je me trompe après. En attendant, on a un Selpetime un petit peu kiblo qui essaie de trouver comment se débloquer. Avec un petit tableau, ouais. Dessin, éléphant, poisson. Il n'y a pas de... Ah si, il y a une carte. Let's go. Ok, il a réussi à trouver la carte les amis. Ça veut dire que notre cher Selpetime va réussir à peut-être se tirer d'affaire. Et surtout, réussir à débloquer l'accès de cette porte blindée. Voilà, ouvre-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas de mauvaise surprise, j'espère. Non, petit couloir. Oh, 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 oh. On reconnaît, il y a Zolfus et Zolfina du coup, qui sont dans un endroit vraiment qui ressemble énormément à celui du chapitre 2. Et ils sont en train de faire quoi? Une parade amoureuse là? On dirait qu'ils sont en train de taper une petite session de danse. Peut-être que c'est leur manière à eux de se draguer, je sais pas, pour exprimer leurs sentiments. Bah, on va les laisser tranquilles, hein. Oui! Ok, ça vaut mieux, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Barre-toi, c'est le playtime. Là, mon ref, vraiment, si j'étais. Mais qu'est-ce que tu fais, Zolfus? Il y a personne hein, là, vraiment, je te rassure. Ah, mais non, c'est l'épreuve! Waouh, il est obligé de passer au bon moment pour pas se faire écraser. Et en fait, il y a plusieurs boutons. Donc, il doit activer tous les boutons rouges sans se faire écraser par Zolfus. Et j'imagine que Zolfina a une mécanique plus ou moins similaire. Il va faire pareil, tu vois. Va essayer d'écraser du coup, c'est le playtime. Peut-être pas. On le saura au prochain épisode. Prochain épisode qui, heureusement, est déjà disponible. Donc, on perd pas de temps. On enchaîne. Mais c'est stressant quand même, hein, ce passage avec Zolfus. Hein, parce que c'est pas n'importe quel monstre quand même. Pour un peu 15 mètres de long, on peut dire que face à eux, on rigolerait pas trop. Eh bah écoutez, c'est ce qu'on va voir, parce qu'on a directement la suite directe de cette mésaventure de Selpetime. Il a presque réussi, là il lui reste qu'un seul bouton à activer je crois, parce que j'ai repéré 3 lumières vertes sur 4. Donc je pense que voilà, il lui reste encore un dernier bouton, et après notre héros arrivera à s'en sortir. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est en train de s'ouvrir. Est-ce qu'il aura le temps d'activer le lecteur de cartes? C'est un oui, mesdames, messieurs. Et du coup, maintenant, il se passe quoi? Parce que ça ne le tire pas d'affaire pour autant. Il y a toujours quand même Zolfus qui essaye de le marabre. Ah, mais c'est pas fini en fait. Non, non, c'est pas encore fini. Là, il doit lui rester encore une dernière étape. Parce que regarde, il y a une lumière rouge. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bah, il lui reste le bouton là. Mais Zolfina fait pareil. Il essaye de l'écraser. Littéralement. Zolfina qui est très bien faite. Hein. Je l'imaginerais pas autrement. C'est vraiment similaire à Zolfus. Mais en mode bah, Zolfina, tout simplement. Donc, ouais, très, très, très réussi. Mais t'as fait exprès là, mon ref. Non, c'est le playtime, pas à nous, pas à nous. Il a fait exprès de mourir là. Et regarde, il fait une petite avance rapide. Attends, j'avance, j'avance. Il a fait exprès de mourir sous nos yeux là. Bon, deuxième tentative. Là, il réussit à passer. Et il arrive dans une autre partie encore. Et il y a le retour de Zolfina, mais ils vont jamais le lâcher, c'est pas possible. Vous pensez pas que vous avez déjà assez donné là? Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter et laisser ce playtime prendre la fuite. En vrai, ça me ferait kiffer par contre une épreuve comme ça là dans Garten. Bien stressante, bien sombre là dans l'obscurité et tout. Il y a vraiment de bonnes idées, c'est le playtime. Hein. Et puis ça bouge pas, hein, c'est toujours aussi ressemblant. On a toujours l'impression vraiment qu'il est en mode créatif. Mais sur Garten of Banban, tellement visuellement, on est clairement sur le Garten.
que ce soit au niveau des décors, des monstres ou même de la télécommande. C'est pour ça que ça reste pour moi la chaîne numéro 1 en termes d'animation Garten. Même si vous êtes beaucoup à me reparler de Boogie Woogie, c'est sympa, mais je trouve que c'est moins réaliste. En termes de visuel et tout ça, je trouve que Cell Playtime se rapproche plus du Garten officiel. Et on parle, mais Cell Playtime a enfin réussi à se sortir de cette situation catastrophique. Là, il aurait pu mourir beaucoup plus qu'une seule fois, mais il s'en est sorti comme un chef. Du coup, bah, GG Cell Playtime, et surtout, merci mon ref. Bon, encore une fois, c'est super animation. Je vais découvrir un nouveau personnage, Zolfina, qui est la crush de Zolfus, un peu comme Banbalina avec Banban, et également, du coup, Namnablina, pour ce qui est de Namnab. Mais maintenant, nous allons sortir un peu de l'univers de Garten, pas complètement non plus, parce que là, comme je vous l'ai dit, on va avoir un petit mélange de Skibidi Toilette ainsi que Garten de Banban. Vous l'avez compris, Skibidi dans Garten, c'est maintenant, c'est tout de suite. En plus, ce qui est génial, c'est que j'ai deux vidéos, mais de deux chaînes différentes. Là, c'est une chaîne qu'on a déjà pu découvrir avant, c'est YOLO Gamer. Il a fait son propre Skibidi dans Garten de Banban. Donc, on va pouvoir comparer les deux et dire lequel on préfère. Mais déjà, on va essayer de se mettre dans le contexte. Il est en train de se balader tout seul dans un long couloir. Et j'imagine qu'il va à un moment donné tomber dans une pièce qui est clairement des toilettes. Et Skibidi, attention! Et effectivement, c'est un Skibidi Toilette, mais dans l'univers de Garten de Banban. Est-ce que ça, c'est pas incroyable, sérieusement? C'est bien foutu en vrai. Au début, je pensais que c'était un green screen, un fond vert et tout, un effet qui avait été rajouté au montage. Mais non, c'est réel, hein. C'est vraiment genre, il est intégré dans l'animation. C'est une dinguerie. Bon, par contre, il est un peu buggy, le frérot là, non? Faudrait peut-être tirer la chasse, c'est peut-être ça. Vous êtes qu'en tirant la chasse? Non? Même pas? Pas de tirage de chasse? Dommage, ok, bon bah son Skibidi a complètement bugué. Dommage qu'il ait pas tiré la chasse pour s'en débarrasser. Mais peut-être que dans l'autre vidéo, il va tirer la chasse. C'est le seul moyen de se débarrasser des Skibidi. Et là, on est du coup sur une vidéo de Sun Banban qui a une patte très à lui, hein. Là pour le coup, on est un peu plus dans le délire de Boogie Woogie, j'ai l'impression. Quand je vois le monstre là à droite, ça me fait penser un peu à un monstre que pourrait créer Boogie Woogie. Ainsi que lui. Bah je crois même que c'est des monstres qui ont été créés par Boogie Woogie à la base et il les a réutilisés. Donc là j'arrive pas à capter en fait à quel moment on va revoir un Skibidi, parce qu'on a juste un combat de titans là qui sont en train de se battre sous nos yeux et c'est plutôt stylé. En vrai, hein, pas ce mytho, que c'est plutôt sympa. Mais moi ce qui m'intéresse, si on est venu sur cette vidéo, c'est de voir Skibidi. Donc peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est derrière et que Skibidi va venir le sauver ou au contraire le tuer. Skibidi, où tu te caches mon pote? On a tous les monstres, on sera sur une map Roblox, mais on sera sur une map Morph. Mais y'a pas Skibidi là, mon ref? Skibidi? T'es là, mon gâté? Ah, y'a pas Skibidi, hein, à moins qu'il soit caché quelque part. Où est-ce qu'il est? Ah, à moins que ce soit à la toute fin. Ah, ouais, c'est là, ok. C'est une sorte de cellule avec une toilette, même deux toilettes. Et là, on a des Skibidi, et c'est le même format que l'autre. C'est pareil, quasi. Si ça tombe, YOLO Gamer, c'est sa chaîne aussi, sauf que c'est une patte différente, je sais pas. Mais on retrouve effectivement un Skibidi. On a dû attendre un petit moment quand même. Mais on retrouve bel et bien Skibidi dans Garten de Banban. Donc cette traîne va tellement loin qu'elle finit même par s'immiscer dans les univers qu'on apprécie. Là c'est Garten, mais peut-être que demain ce sera dans Poppy Playtime. Au final, on n'en sait rien. Cette traîne part beaucoup trop loin, mais c'est plutôt stylé. Je trouve que c'est assez original en vrai comme tendance. Et là, voir ça dans du Garten de Banban, j'avoue que c'est plutôt appréciable, n'est-ce pas? Donc dites-moi si ça vous a fait kiffer les amis, tout autant que moi. Si c'est le cas, bah vous le savez, vous le dites dans les commentaires. Vous bombardez la barre des likes comme jamais pour montrer que vous avez kiffé. Et si vous appréciez cette traîne de Skibidi Toilette qui ne se finira jamais, j'ai l'impression. Abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos et les futures aventures qu'on va continuer de vivre ensemble. Activez la cloche au signe de tip si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, c'est votre tweet, je vous laisse. À très très bientôt. Ciao, ciao.